Bienvenue, bienvenue à tous. Nous levons. Où sommes-nous? Il fait presque jour, ok, ça marche. Alors, bienvenue Hamilton! Bienvenue, bienvenue. Tout se passe très bien. J'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Non, on va pas lire, on a des choses à faire. On doit récupérer de la nourriture. On doit récupérer de la nourriture, on va récupérer un peu d'eau parce qu'on n'a pas beaucoup sur nous. On doit récupérer un peu d'eau, non, de la nourriture, je viens de dire. Par contre, donc, on va voir si on cherche les maisons, ou alors si on cherche à sasser, ok? Si on cherche à sasser, on va voir ça. Oh mon dieu, ok. Par contre, je voudrais bien... Ah ben, on peut faire ça, tu vois. Cool. Voilà. Comme ça, on attend qu'il fasse jour complètement, comme ça on voit. Donc on va chasser. L'apprenti chasseur partant chasser. Ok, c'est bon, on arrive à voir. Nous allons chasser pour récupérer de la viande. Il nous faut un cerf ou un loup, honnêtement, ça va être un peu galère. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait à chasser un loup. Par contre, j'ai remarqué que... Genre là, la souris marche. Là, la roulette marche pas en fait. J'arrive. Avant, c'était pas par rapport où était la souris en fait. Genre là, si ma souris est là, la molette marche ici. Si ma souris est du côté droit, la molette marche sur le côté droit. C'était pas comme ça avant. Maintenant, en fait, il faut être dans la catégorie en fait. Faut être ou à droite ou à gauche. Faut cliquer. Je sais pas. Je sais qu'après, des fois, il y avait un problème avec le jeu. Des fois, la molette ne marchait plus. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils ont fait ça comme ça. Du coup, dans un sens, ils ont corrigé le bug qui est arrivé de temps en temps. J'avais ça, des fois, la molette, elle voulait plus marcher. Bon, enfin, bref. 35 kilos. On est bon, let's go. On est bon. On va récupérer de l'eau, comme j'ai dit, avant de partir. Et puis, on va y aller. Très bien, on a 20 kilos d'eau, enfin 20 litres, 20 kilos, enfin bref. Quand on en fera d'autres, de l'eau, on mettra dans le réfrigérateur. C'est pratique, hein. Honnêtement, c'est vraiment pratique d'avoir le frigidaire congélateur à côté. Ça fait 20 et 40, je crois. Donc on peut mettre 60 kilos d'eau. Ça fait bizarre de dire à chaque fois 60 kilos d'eau. Mais bon, comme ça on comprend bien dans le jeu. Donc on a encore des bâtiments à fouiller. Je sais plus ce qu'on a fouillé. Honnêtement, je sais plus vraiment ce qu'on a fouillé. Parce qu'on a... Je crois qu'on n'a pas fouillé grand-chose. Parce qu'on a dû s'occuper des loups en même temps. Donc on n'a pas fouillé énormément de choses. En bâtiment, je parle. Oh. Ok, d'accord. Je vais rentrer. On voit pas vraiment. C'est tellement sombre des fois que je préfère quand même rentrer à l'arrière de la voiture pour voir s'il n'y a pas un objet qui traîne. Ok. Je crois qu'on a fait ce côté-là. Ouais, on a fait ce côté-là. Ah, il fait quand même froid, donc on va peut-être... On va peut-être faire les bâtiments vite fait, et après on s'avancera, plus on a fait ça, hein, on a fait, je crois. Plus on ira loin, et peut-être si on croise des cerfs ou des trucs comme ça, on les fouillera. Ouais, ok. Il me fallait juste un récipient pour voir si on a fait, pour être positif qu'on l'ait déjà fait. Mais il nous faut de la viande, il nous faut vraiment une bonne réserve de viande. Sinon on va pas. Sinon ça va être galère. On pourrait descendre, c'est possible qu'on trouve des cerfs de ce côté-là. C'est fort possible. Non, on l'a fait déjà. Je crois que. J'aurais bien dessiner sur les voitures, mais ça va nous prendre beaucoup de. Ça va nous prendre beaucoup de peinture en fait. Là aussi je crois qu'on l'a fait, je veux juste être sûr. Milton, je vais faire ça pendant quelques épisodes, genre retourner dans les bâtiments vite fait, juste pour être sûr. Parce qu'il y en a tellement.
fait voir si on peut croiser un cerf, enfin si on voit un cerf de là-bas. Par contre il fait un peu froid donc ça sera embêtant quand même de chasser là-bas. Après on peut toujours récupérer un peu de bois autour mais... Il y a du cerf. Intéressant. Il y a du cerf mais ouais moins 19, ça fait beaucoup moins 19 en fait. Moins 19, il va falloir faire un sacré feu quand même, c'est ça le problème. Je suis en train de me dire. Ah mon dieu, on va pas pouvoir monter. Ouais non. On va. Tiens, on va voir là-bas. On va passer par là-bas. Si on trouve une petite vingtaine de petits bois, honnêtement, pourquoi pas. On va récupérer ça aussi. Mais ouais, c'est, on va se concentrer sur les ressources pour cet épisode. Alors après, je me dis que on va aller. On avait vu qu'il y avait une tour. On la voit de là, la tour ou pas? Il y avait une tour radio, une antenne. Oh, il y a un loup. Ah, il va vite le loup. Je crois qu'il chasse le cerf. Ah, c'est embêtant ça. Après, c'est vrai qu'on avait tué des loups là-bas, donc il doit encore avoir les carcasses qui traînent. Je vois plus rien du tout. Là-bas, il y a un cerf. Il est où le loup? Ah, commence à faire froid. Ouais, il est en train de le chasser. Ah, il doit être dessus, ce saloperie. Ce salaud. Ouais, on l'entend. Il est où? Là. Encore là-bas. C'est quoi ça? C'est un blizzard. Bien joué. 5 kilos. 8 kilos. Très bien. Moins 19. Ça va. Je crois qu'on peut... Je crois qu'on a assez de bois. Je vais juste faire encore un peu le tour, vite fait. Bon, ça va. Bon, on est bien tombé, du coup. On a les deux carcasses, ça va. Faut qu'on se réchauffe, par contre. Absolument qu'on se réchauffe. Ok. 17. Ah, 17 morceaux de bois. T'es sérieux? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. 95% le truc s'éteint. Ça fait longtemps. C'est vrai que oui, on devrait toujours faire la torche, hein, même à 95%. Tant que c'est pas 100%, on fait la torche. On devrait faire la torche. Ça c'est...
Ça a toujours été comme ça. Ok, on devrait être bon. On va faire ça. Juste les réchauffer. Ok, très bien. Alors, comment on va faire On va utiliser la scie. La scie, ça va aller vite. On utilise la scie comme ça, ça va vite. Et la scie, comme j'ai dit, elle est facile à réparer. C'est un peu le deuxième meilleur outil pour couper. Donc, autant utiliser la scie. 21 minutes. Et puis, ça la consomme pas énormément, je crois. 98%, ouais, on a récupéré genre... J'entends du bruit. C'est sûrement le cerf qui doit traîner aux alentours. Très bien. Ce que je fais en fait, c'est récupérer la viande le plus rapidement possible si jamais il y a le vent qui se lève et tout ça, et qu'on puisse pas rester. Parce qu'il fait quand même froid en fait dehors. Et après, on fait la peau à la main et tout ça. Après, c'est bon. Bon, on va ramener tout ça après à la maison. Plutôt bien. Ah, très bien. Honnêtement, c'est cool. Là, on a fait une pierre de coups. On a bien fait. Je suis content d'avoir vu le loup, en fait. Qui tournait autour du cerf. Et on l'a vu, il courait très vite. Donc, ça veut dire qu'il est en chasse. Enfin, il trottinait. Il trottinait. Donc, il était en chasse. Donc, du coup, bah voilà. Donc, très très bien. J'entends du bruit. Truc là. Ah, c'est lui, je crois qu'on entend. C'est lui. Steak à 1 kg. On va en profiter pour tout faire cuire. Après, on rentre à la maison directement. On a encore quoi? 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 5 steaks après de l'eau. On a ça. On pourrait... Il faudrait récupérer encore du bois et on pourrait chasser l'autre cerf. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Comme ça on transfère le feu à côté de lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On le chasse et on transfère le feu. On prend une la torche. Ou alors on le pousse vers le feu. Ça c'est un peu plus délicat. On va voir si on peut. Attention. Bah.
Ah, il est pas allé, au bon côté. Après, il commence à faire un peu moins froid, donc bon, on va peut-être pouvoir prendre la viande sans vraiment se réchauffer, quoi. Enfin, sans vraiment faire un feu. 21 minutes, on va récupérer ça. Très bien. Ah, mais je suis content. C'est quoi ça devant moi là? C'est quoi ça? Ah, c'est le cerf, oh mon dieu. Je me suis dit, c'est quoi ce truc là qui reste planté comme ça, qui me regarde? En fait, c'est le cerf. On avait dit que la peau du loup, on n'en avait pas vraiment grand chose à faire. Un peu la chaleur. Ah ouais, quand même. Ah, on est bon, hein. Bon, ben, moi, je dirais go. Hein. 46 minutes, on va faire. Voilà, comme ça, ça fera... Ça fera les steaks. Moi je dis go, hein. On récupère le plus de viande possible, comme ça on a plus à le refaire en fait. C'est vraiment ça, genre... Genre là on est bon pendant déjà plusieurs jours. Avec ça, parce que c'est vrai qu'on en consomme quand même beaucoup, hein, de la viande. Donc... Bien joué. Je devrais peut-être attendre qu'il bouge plus, non? Par contre, on va être un peu fatigué. J'ai envie de dormir une heure. Si on a encore un feu, donc pourquoi pas en profiter. Juste pour se remettre un peu d'aplomb, parce qu'elle va être trop lourde, donc j'ai pas envie qu'elle passe en dessous des 40 kilos, sinon on va mettre 3 heures à rentrer. Donc ça va être un peu compliqué. Merde. Ah, je crois que j'ai perdu la viande. J'ai pas cliqué assez vite. C'est pas grave. Voilà. Très bien. Mon dieu, ça me... Ça va. On peut même faire du feu avec la loupe. Ça c'est très très emmerdant ce bug. J'ai toujours l'impression qu'en fait le perso passe à travers le sol ou un truc comme ça. 46 kilos.
J'ai envie de balancer l'eau. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Non, ça va, on en profite. Fait pas froid en plus, on en profite. On va avancer très doucement, on va faire attention de ne pas tomber nez à nez avec un loup et c'est bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Hop là. Bah voilà. Bah honnêtement, je pensais qu'on allait un peu galérer. Côté nourriture, genre il va falloir chasser, on va tomber, on va louper nos tirs, tout ça, il va falloir courir après les bestioles. Mais en fait non, bah voilà. Ça fait quoi, en 15 minutes, on a récupéré, je crois, 10 kilos de viande. Et c'est du gibier, c'est du cerf et du loup, donc c'est 900 et quelques calories à chaque fois. Le loup c'est juste un peu moins. Bon bah voilà, c'est tranquille. En plus il fait bon, il fait pas froid. Donc on marche à 4 à l'heure, c'est pas grave. Ah bah on va pouvoir enchaîner sur le reste. On va pouvoir tranquillement enchaîner sur le reste. C'est plutôt cool. On va aller fouiller les bâtiments et tout ça. En plus elle est pas fatiguée vraiment. Donc on va s'occuper des bâtiments. C'est par là. Ancienne école. Tout va bien. Rien. Ah oui, c'est là, la tour. C'est celle-là que je vais aller. Je vais aller voir. Il y a ces caisses là, elles m'intriguent à chaque fois. Genre, pourquoi elles sont comme ça à côté d'un arbre et tout ça? J'ai l'impression qu'il y a des choses dedans. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses dedans. Ok. Parfait, parfait, parfait. Ça s'est très, très très bien passé, je suis très content. C'est comme ça une très très bonne chose de faite. Ah oui. J'ai tout mis au même endroit. Ça c'est ce qu'il faut cuire. Ouais. On va prendre ça, ça, voilà, ça, ça on le rentre. Alors on va poser la peau, on va poser les boyaux, puis après on se ressort encore. Il reste encore un peu de journée, donc on va voir si on peut pas fouiller quelques bâtiments avant qu'il fasse complètement nuit. J'ai pas après envie de fouiller avec une torche et tout ça, ça serait un peu du gâchis honnêtement. Ce sera un tout petit peu gâchis. Ça. C'est bon, let's go. On est à 35 kilos. Normalement, on devrait être à 35 kilos si on a tout déposé. 37. 37 et on n'a pas d'eau.
Qu'est-ce que j'ai de trop? 37 et on n'a pas d'eau. Ah oui, c'est tout simplement la viande. Tout simplement la viande. Après, il y a le... Il y a le sac de couchage que j'étais en train de penser. Le sac de couchage aussi, on peut le laisser à la maison, en fait, quand, on, par exemple, on fouille les bâtiments. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, vu qu'il fait peu, il peut faire fuir les loups, mais rien que de l'avoir dans le... dans l'inventaire, c'est quand même pratique, parce que si jamais on sort et qu'il y a un loup qui se balade, et il y a une chance qu'il ait peur. On est allé à la poste. Il y a une chance qu'il ait peur, et ça, ça peut quand même nous sauver la vie, donc bon. J'ai pas vraiment envie de le virer. Une loupe en plus, très bien. Qu'est-ce que t'as, toi? Strictement rien. Ça fait plaisir. Il n'y a rien non plus. Encore un truc et... Attends, on n'a qu'à faire ça. Voilà. Suivant. On a encore un peu de journée. Après, est-ce qu'on va dormir? C'est beau, oui. Je sprint un peu pour la fatiguer. Après, on a plusieurs gros endroits à fouiller à Milton. Donc comme j'ai dit, on a la tour, on va faire la tour. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a le sur le côté où il y a le la station essence. La station essence, il y a aussi un éboulement à aller fouiller. Il y a un camion, normalement, qui s'est pris un éboulement. Il y a ça. Après, on peut aller à l'église. Il y a beaucoup d'endroits. Honnêtement, il y a pas mal à fouiller. Donc, on en a pour un petit moment. Il y a des bonnes aventures à se faire dans Milton. Il y a le métal aussi qu'on pourrait récupérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... d'ustensiles en métal. Donc on pourrait faire une petite réserve. Parce que du métal, on n'en a pas beaucoup. Je crois. Je sais plus trop. Non, je crois pas qu'on en ait beaucoup. Enfin, à Milton, on n'en a pas, mais... Même à la maison, en fait, on en a très peu. Donc c'est vrai qu'on pourrait rentrer avec pas mal de métal. Parce que chez nous, c'est proche d'une... d'une forge. C'est plus proche de... du lac Mystère que de Milton, la forge la plus proche. Donc... Ah, le pro... Enfin, c'est pas vraiment ça, en fait. Parce que Muskegmorn, en fait, est entre les deux, donc c'est un peu faux ce que je dis. Le truc, c'est que une fois que vous êtes à Milton, c'est un peu compliqué de descendre à Milton pour y remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, il faut se prendre des cordes et tout ça, donc c'est un peu la galère. C'est ça, le problème de Milton. C'est qu'une fois que vous y êtes, vous récupérez tout ce qu'il y a. Et si vous partez, bah, vous n'allez pas y revenir, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la chose où on revient pas vraiment à Milton. Enfin, en tout pour moi, je trouve. Je trouve que
c'est pas vraiment le top de revenir à Milton. Je crois que ça va être notre dernière maison. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est du feu avant qu'il fasse complètement nuit. Parce que peut-être qu'on peut faire du feu avec la loupe. Avant de rentrer. Comme ça, on n'utilise pas d'allumettes. Et du coup, on fait cuire le reste de la viande. Par contre, il va falloir se bouger si on veut faire ça. Ouais, il va falloir vite se bouger. Parce qu'il fait quand même bien nuit. Non, je pense pas que ça va marcher. Non, le temps qu'on sort, ça va être la nuit. Là, on a genre quoi, 2 minutes peut-être? On a des nouveaux vêtements, je crois pas que ça vaille le coup par contre. On va les garder, hein, monsieur. On récupère l'eau pour la transférer chez nous. Ok, maintenant on va être très très lourd, donc on va se casser d'ici. On va tout faire. Quoique. Ça peut-être le faire. On va sortir là, juste au cas où. Par contre, il y a un vent qui souffle plein de vent. Donc du coup, on va pas pouvoir faire du feu. On va pouvoir faire du feu à l'extérieur, mais on va pas pouvoir rentrer dans la maison, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tu veux. T'es sérieux là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, maintenant c'est rouge en fait quand tu peux pas à cause du vent, d'accord. Et par contre on peut les faire pivoter maintenant. Ça aussi c'est nouveau. Vu qu'on peut faire pivoter les symboles, maintenant on peut faire pivoter le... Ah, donc maintenant ça reste en rouge en fait quand il y a trop de vent. Ouais, là on peut. Avant on avait l'emplacement, il y avait 0% à cause du vent en fait. C'est bien comme ça que ça marchait avant. Je crois bien. Bon, maintenant elle est un peu fatiguée par contre. Qu'est-ce que ça vaut le coup vraiment de... Il n'y a pas beaucoup de bois. N'a pas beaucoup de bois. Alors, je vais voir un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait déchirer des vêtements. Faire passer le temps. Ça. Faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à virer? Les champignons qu'il faut faire, on a 2 kilos de champignons, c'est absurde. C'est complètement absurde. 2 kilos de champignons. Et encore, on en a déposé. Hein. Il y en a encore déposé. Alors par contre, fais voir un peu les vêtements. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'intéressant? On a les écharpes. Une écharpe en coton. Écharpe en coton, elle est moins bien. C'est bête parce que je voudrais bien mettre l'écharpe à la place. Ce serait beaucoup plus stylé. Mais bon, ça va faire... Si elle est à 100%, ça va faire quoi? Peut-être 1 degré. Grand maximum. Donc du coup, c'est pas vraiment intéressant. Après, on a encore un autre pull qui est presque mort.
On a la chemise, voilà, recycler. Parce que si on la range, de toute façon elle va être détruite, donc autant la recycler. Et les autres vêtements, on va les laisser là. Ça, les chaussures en cuir, on va les détruire. Comme ça, on récupérera le cuir. Bon bah, ça se passe bien, sans problème, honnêtement. Ouais. C'est tranquille. C'est honnêtement tranquille. Il n'y a pas vraiment à se plaindre. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. On va monter. On va regarder. Voilà, on regarde les lumières. Et le lit est là. Très bien. Elle est assez fatiguée, mais on va créer des... On va créer ça vite fait. Voilà. On va en faire quelques-uns comme ça. Ça aussi, c'est vrai que... Bon, on en a beaucoup, comme j'ai dit, mais le fait d'en avoir beaucoup, ça nous permet de les faire dans le noir. Et du coup, ça nous fait un peu gagner du temps. Si jamais elle n'est pas assez fatiguée, on fait passer la nuit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'avoue que c'est quand même vraiment pas mal d'en avoir beaucoup. Là, on va encore en faire quelques-uns. On va attendre que ça soit un peu minuit et après on dormira. Ah, elle commence à fatiguer là. Et on va dormir 10 heures. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Très bien. Alors, où est-ce qu'on va aller? On a encore des maisons à faire. Je voudrais terminer les maisons. Teaser. On peut terminer les maisons et après on peut aller en dehors de Milton. On pourrait faire ça. Un réveil en pleine forme et c'est le matin et il fait jour. Très bien. C'est parfait. On est à fond en vie. Tout va bien. On va déposer ça. Hop. Voilà, on a combien de réserves? 27, oh la page, 8. Ah là 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 là. Pousse-toi la chaise, va falloir qu'on la détruise à un moment ou à un autre. Très très chiante cette chaise. Bon, on va faire le reste des maisons, d'abord. Comme ça, ce sera fait, ok? Comme ça, on n'en parle plus. Comme ça, on n'en parle plus. Donc après, il y a là-bas, de ce côté-là, il y a l'église. Et de ce côté-là-bas, il y a la station-service. Donc à la limite, on continue de ce côté-là. Comme ça, on finit les maisons qui nous restent. Et on va à la station-service. J'ai pas fait cette voiture. Oh là là. Il y a plein de trucs partout à fouiller. Je voudrais bien utiliser la bombe, mais vous avez vu le nombre de bâtiments et de voitures et tout ça? Ça sert à rien, quoi. Il nous faudrait au moins une dizaine de bombes de peinture pour tout marquer. Ce serait absurde. Il est strictement rien, c'est sérieux? Il est strictement rien. Ouais, tous les sceaux, le diable aussi. Faudrait qu'on les coupe. Après, on n'a pas de caisse pour réparer la scie, donc... on va peut-être attendre. D'accord. Y'a rien.
Vive les batteries aussi au passage. Vive les batteries. Donc on s'était arrêté là. Ah, par contre, commence à faire froid. Il y a des loups vers la station essence, donc je sais pas si on va les combattre ou pas. Vu qu'il fait froid, je dirais que le mieux ça serait de les esquiver. Comme ça, si jamais... Enfin, faut penser aux flèches, si jamais on loupe le tir et qu'on doit les pourchasser pour récupérer la flèche, c'est un peu la merde. C'est un peu toujours la même histoire. Par contre, il y a un chemin là, intéressant. On va prendre un peu de bois. Mais il y a un chemin là. On va voir un peu. Il y a encore cette voiture, je pense qu'on l'a pas fouillée. Cette maison est condamnée, condamnée. Non, on l'a fait ça. Ah oui, on s'était abrité dans cette voiture pour le loup. Ok, on va aller à la station essence, elle est juste là. Bon, par contre, maintenant, on doit faire attention. Il y en a un là, à droite, deux. Ah, s'ils sont là, peut-être qu'il n'y en a pas vraiment à côté de la station essence. Je vois un de ce côté. Carcasse, cadavre. On va rentrer là. Après on va rentrer, on va se réchauffer. Bon, ça va, on a de la chance, les loups ils sont pas à côté de la station. Donc on a de la chance. Force la porte. Voilà, c'est bien. Ils sont pas à côté. Là, on a vraiment de la chance. J'avoue qu'on a vraiment de la chance. Donc on va fouiller et on va passer du temps pour se réchauffer. Si jamais on a... Si on a encore froid avant de partir. Il y a pas mal de caisses. Je dirais que ça peut valoir le coup de les casser. Plein de trucs ici. Ah ouais, la station service, elle est blindée. Même en intrus, elle est blindée. Elle est quand même bien blindée. Oh, bombe de peinture, cool. Bombe de peinture, cool. Ah oui, on peut même dormir ici. J'avais complètement oublié, on peut dormir dans la station service. Genre là, il y a un lit. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on va prendre l'eau. De toute façon, au pire, on la jette l'eau si jamais c'est trop lourd. Ah bah voilà, comme je disais. Ah, un matelas. Intéressant d'avoir un matelas ici. Est-ce qu'on le prend? On peut le laisser ici. On peut le laisser ici, honnêtement. Est-ce qu'on peut peindre à l'intérieur? Il
Une barrière placée à l'intérieur n'apparaîtra pas sur la carte. D'accord, que ça sert à rien du coup. R. Non, comme ça. Ça va, ils nous préviennent au moins. Ah mais on peut vraiment tout déplacer, tout pivoter en fait maintenant. Je viens juste de le remarquer. C'est bien ça. D'accord, trop bien. Ah, c'est pas mal ça. On va dire que c'est pratique pour décorer. Voilà, c'est juste c'est pratique, c'est très pratique pour décorer. Par contre, on va faire ça. Là, je peux même la bouteille aussi, je peux la faire pivoter. Voilà. Alors, on va faire un dessin sur la station essence. C'est quand même plus pratique, hein, c'est plus rapide hein, de faire ça avec la... On va se mettre là. Ça va plus vite de faire ça à la bombe. Après, bon, moi j'aime bien faire la map. Donc je la fais, mais... Avant de partir d'ici, on va aller d'abord le long de cette route-là. On devra avoir des choses à récupérer. Là-bas, on avait vu des corbeaux. Donc, faut qu'on aille voir. Ouais, on peut aller voir. De toute façon, ça a l'air d'être assez safe. Par contre, je voudrais bien aller de ce côté là-bas. Il y a encore des bâtiments à prendre. Enfin, à fouiller, donc... Je pourrais bien y aller, mais bon, il y a les loups. On va rentrer, je crois. Je fais de la peinture parce qu'on a on a 3 bombes maintenant. Je crois 4 avec celle qu'on a dans le camp. Donc c'est pour ça que je m'amuse un peu. Mais c'était pas du tout nécessaire. Alors pas du tout. Par contre, je veux juste aller voir là-bas ce que c'était les corbeaux. Si c'est juste une carcasse ou pas. Ouais, ah non, ça, un cadavre. Ça m'aurait étonné aussi. Ça m'aurait étonné qu'il ait quelque chose. J'ai cru avoir vu une carcasse. Au milieu du bois là. Peut-être rêver. Peut-être la silhouette du bois en fait. Ouais non, y a rien. Ok, on va rentrer, on va se réchauffer.
fin à l'eau, ça. Où est-ce qu'on va? J'ai envie de fouiller le reste des bâtiments. On va passer par l'arrière. Mais j'ai vraiment envie de fouiller le reste des bâtiments qui sont au loin. Nous on est là. Nous on est là. C'est marrant, elle est pas sur la carte la station. Pourtant on l'a faite. Hein. Pourtant on a dessiné avec du charbon. Donc moi je veux aller là, ici là. C'est cette route. 1h15. Oui, pourquoi pas. De toute façon, ça nous fait du cuir comme ça. Est-ce qu'on en a besoin du cuir? Je suis en train de réfléchir en fait. Le cuir, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi le cuir? À rien? Ah si, ça, non. Cuir séché. Ouais, non, mais c'est tout, quoi. Ouais, il n'y a que le sac, en fait. Après tout le reste, on n'utilise pas, en fait, le cuir. On n'utilise pas du tout le cuir. Donc c'est là-bas. Là-bas ou là-bas? Ou là? Je sais plus. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ça. On est à combien de kilos? 39, ça va. Des fois, il y a des choses dans les poubelles. Genre des boîtes de biscuits, là, qui donnent soif. On les voit, elles sortent en fait de la boîte. Enfin, elles sortent pas, mais elles sont dans le fond, et vu qu'elles sont hautes. Ok, il y a un cerf, donc il n'y a pas de l'eau. Les loups, ils sont sur la droite, là-bas. Oh, des lapins. On va monter. Eh ben, tranquille ici. On a encore du charbon, on va pouvoir dessiner. Parce que là, on est en hauteur. Donc du coup, on devrait pouvoir faire une grosse partie. On va aller là. Voilà, normalement, si on était passé par... la grotte du lac mystère, on se retrouverait ici. C'est là, il y a une corne. Voilà, là, il y a une corne. Donc on se retrouverait ici, à la place. Mais la corde est plus grande, je crois. Le caillou. Waouh. Pas mal, pas mal. Voilà, donc on se retrouverait ici. Donc on peut passer par là. Comme ça, par là. Et là-bas, c'est le lac mystère. De ce côté-là, c'est le lac mystère, si je dis pas de bêtises. On a une autre corde à prendre. Et on se retrouve au lac mystère. On se retrouve pas au lac mystère directement, on se retrouve à la grotte d'abord. La grotte dont j'avais parlé. Celle-là. On se retrouve ici en fait. Donc voilà, tranquille. Et c'est plutôt safe en fait de passer par là, parce qu'on passe par la grotte, on sort de la grotte, bon il y a deux cordes à prendre hein, comme l'autre chemin. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est juste gérer les cordes en fait. C'est vraiment que ça. Mais après il y a cet endroit là, pour se reposer. Et à l'intérieur il fait super chaud. Il fait méga chaud à l'intérieur.
Ah, je sais pas pourquoi en fait. C'est un peu l'endroit qui est ouvert, mais qui est complètement super chauffé apparemment. Apparemment, c'était pas assez chauffé pour lui. Mais on peut aussi y dormir, donc on est super tranquille. Il n'y a pas vraiment de crainte. Une fois que vous passez les deux cordes, c'est bon. Vous vous foutez là et vous vous remettez d'aplomb. Et une fois que vous êtes bon, bah bon, on retourne à Milton. Enfin, vous allez à Milton. Donc c'est très très tranquille ici. Il y a même des... Comme on a vu, il y a des lapins et tout ça. Après, bon, sur le chemin, il y a une chance de tomber sur... sur des loups, quoi. Mais sinon, ouais. Très bien. Bon, bah on y va, hein. On rentre. Donc on a fouillé ça. On est à combien? À 40 kilos. On a fouillé ça, c'est sur la carte. On récupère un peu de bois sur le chemin. On rentre à la maison et on va se coucher. Bon, je vais voir un peu où ils sont placés les loups. Je les vois plus. Serre. Ils sont dû bouger. Peut-être sur la gauche. Kilos. J'ai peur là derrière ce rocher là, ça m'inspire pas confiance de faire le tour comme ça. Ils peuvent nous flairer et nous foncer dessus directement. Donc on va le prendre un peu large. Il fait pas très froid. Bien. Ah, c'est quand même beaucoup plus pratique hein, pour dessiner la map. Hein. Oh, voilà, bah, ça change la vie. Là, par contre, je le fais volontiers. Parce que là, maintenant, je me mets à des positions comme ça, un tout petit peu surélevées. Et on est récompensé pour ça. Donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup, cette mise à jour. Encore une fois, voler mon idée. Après, j'ai pas l'impression que ça dessine tout dans le périmètre. Enfin, ça dessine pas les endroits, j'ai l'impression. Je suis pas complètement sûr. Il fait pas froid. On a vu un cerf. Ok. Je crois qu'on est par là. Ah, non. Par là, on est là. Donc du coup, ouais, il y a la grange là-bas. Ça va, on se repère facilement avec la carte. Quand elle est bien dessinée comme ça, on se repère facilement. Bon bah... Cassos!
Je suis un peu intrigué de, du coup des loups en fait. On avait vu deux. Ah! Ah bah voilà, ils sont là. Ils devaient être par là, ils ont dû remonter. Maintenant ils viennent de redescendre. On a un à droite. Bon, du coup, on va repasser par le centre. Je voudrais pas qu'il m'aggro lui. Voilà. On est tranquille. On est tranquillos. Ah, le coût des vêtements, hein. Comme j'ai dit, hein, le coût des vêtements. Je crois que le mieux, les vêtements qu'on a, le plus intéressant, c'est quand il y a du vent, parce que comme j'ai dit, le froid vient du vent surtout. Donc si on peut se protéger du vent, on est tranquille. Parce que du coup, on subit pas les effets d'humidité et tout. Enfin, ils sont très épais, nos vêtements. C'est vraiment top, vraiment top. Alors où est-ce qu'on va pour la prochaine fois? Je fais des pauses des fois juste au cas où si j'entends des bruits. On pourrait faire... merde. J'avais bien entendu quelque chose. Je le vois pas. Je le vois pas. Je crois qu'il est par là, j'ai pas vu. On va passer par là. Ah, ça va, il nous a perdu. Ok. Il nous a pas vraiment tant perdu que ça en fait. Ok. Ah, des fois on sait des petites frayeurs. C'est juste des petites frayeurs. Petites frayeurs. Alors, on a récupéré un peu de bois, ce qui est bien. Ouais, quand même, 26. Au final, on en a récupéré pas mal. Je pensais qu'on a récupéré une quinzaine, mais au final, non. Au final, au final. Okay, très bien, on va déposer nos surplus de matériel. Donc ça. Ah! Tu disparais pas, toi? Comment ça? Pourquoi tu disparais pas? On peut plus t'utiliser, non? Ouais, non, t'es vide. T'es vide? Ah, on peut peut-être te recycler, non? Non. Non, tu... Ils ont pas mis... Ils ont dû complètement oublier de mettre le fait de... Que les objets usés, en fait. Ah, quoi que... Ouais, non, il n'y avait pas la croix rouge, en fait, dessus. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ouais, ils ont dû... Ils ont, pas... ils ont mal travaillé, encore une fois. On va faire ça. Alors, comme je disais... hop... Ça, on va le virer, ça m'embête que ce soit dans l'inventaire tout le temps. L'ouvre-boîte, l'ouvre-boîte, l'ouvre-boîte. Ça sert à quoi l'ouvre-boîte, à part ouvrir des boîtes? On peut le garder juste au cas où genre on trouve des conserves et qu'on les mange quand on est à l'extérieur. Ça peut toujours être utile. Cuir séché, très bien. Les vêtements, on n'en a pas de nouveau. Ça, très bien. Ça, très bien. Il y a ça qu'on vire. Ok, 35 kilos, très bien. On peut rester des jours et des jours. On peut rester un, plus deux mois à Milton. Le truc, c'est qu'on a tellement de... Je viens juste de me rappeler en passant là. On a tellement de flèches, on peut faire tellement de flèches que c'est un peu absurde en fait. On peut rester indéfiniment à Milton.
on tombera jamais à court de flèches. Vu la façon dont on joue, je parle. Vu la façon dont on joue, on tombera jamais à court de flèches. Qu'est-ce que je vais dire? On va coudre. Je voudrais rafistoler des vêtements. Et après, on va dormir. Bon, cette chaise, elle m'embête quand même. On va coudre. Et on va dormir. Très bien. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on utilise les nécessaires de couture ou pas? C'est les nécessaires de couture, on en a... À la maison, je crois qu'on en a 5. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on en a 5. Donc on peut utiliser ce qu'on a là. C'est pas très grave. Faudrait qu'on lise le livre aussi. Le livre de couture. Faudrait vraiment qu'on le lise. J'ai envie de le lire maintenant. Ouais, non, c'est trop tard. On a aussi de la viande à faire cuire encore. Ok, là c'est bien, les pourcentages, c'est cool. Donc la prochaine fois... La prochaine fois... Honnêtement, je vais être honnête, j'ai pas vraiment envie d'aller... Alors attendez, on est là. Ici c'est la... l'église. J'ai pas envie de faire l'église en fait. J'ai envie d'aller voir la tour. Parce que je voudrais bien trouver le Polaroid si jamais on peut le trouver. Parce que après, y a pas trop d'endroits à Milton. Hein. Les gros endroits, ben, on a la ville principale, d'accord. Puis après, on a là. En plus, on va pouvoir bien dessiner. Par contre, attendez. Oh mon dieu, il fait déjà super noir. Je voudrais récupérer plus de. Plus de charbon. C'est combien? 1 kilo. 1 kilo de charbon. Ouais, je voudrais honnêtement monter en hauteur. Aller sur les hauteurs et... je voudrais monter en haut. Vous avez compris? Ah, c'est drôle. Je voudrais monter en haut. Pour qu'on puisse dessiner plus facilement et avec de la chance trouver un Polaroid au moins. Ce serait vraiment cool. Ce serait plutôt sympa. Ces flèches là, il faudra les casser quand on les aura un peu plus utilisées. Comme ça on récupérera les plumes directement. Après il va falloir retourner à la grange. À la ferme pour faire les fûts de flèches. On prendra de la viande ou alors on chassera là-bas et on dormira à la ferme pendant une ou deux nuits. Ça dépendra en fait du temps. S'il faut faire les fûts de flèches et en plus il faut faire les flèches là-bas. Et ça prend quand même pas mal d'heures. Et le problème c'est que c'est à l'extérieur. Si je réfléchis bien, est-ce qu'il y a un autre établi ici? Je crois pas. Je pense pas. Je pense que le seul établi c'est là. De Milton. Donc c'est l'établi à l'extérieur. C'est embêtant. Ok, c'est parti, on va dormir. Dizaine d'heures. On va peut-être passer un peu de temps. Et donc le prochain épisode, on va en hauteur, comme j'ai dit, pour voir si on peut récupérer Polaroid et voir ce qu'il y a en haut. En plus, c'est juste quand on sort de la maison, qu'on est dos à la maison, du coup, quand on sort, c'est juste à gauche, on prend le chemin à gauche, on monte, et c'est pas loin, c'est vraiment, vraiment pas loin. Donc ça va être vraiment tranquille le chemin. À moins qu'il fasse ultra froid et qu'il gèle, mais...
Non, non, ça honnêtement ça va être super tranquille. Donc on va faire ça la prochaine fois.